Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la mairie et à l'hôtel de ville de Grenoble. Vous dire que donc le mois de l'accessibilité a commencé la semaine dernière avec le samedi où j'ai présenté mon mandat. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'objectif. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment donner la parole aux personnes concernées. Et quand moi, je pense aux personnes concernées, je pense principalement au collectif que j'ai l'immense honneur et limite les larmes me viendraient d'avoir autour de moi. Je n'épiloguerai pas sur le sujet, mais avoir Odile à mes côtés, donc Odile Morin de Ordi Social, c'est une valeur, enfin c'est un honneur et c'est pour moi quelque chose de très 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 important. On se connaît bien avec Odile depuis le temps, mais voilà, ça fait vraiment plaisir qu'elle soit ici même à l'hôtel de ville. Et je pense que c'est un premier événement, mais j'espère que c'est un premier d'une longue série pour moi de collaboration. On a aussi Cécile Morin et puis Noenger du CLÉ, du collectif Lutte, Handicap, Émancipation et Égalité. J'ai pas écorché ? D'accord. D'accord. Cécile le redira tout à l'heure. Et puis Laetitia des Dévalideuses, le collectif anti-féministe en France. Je ne sais pas si j'ai pas envie de dire en Europe ou même encore plus, mais on en reparlera tout à l'heure. En France déjà. Donc je laisse la parole aux personnes concernées. C'est vraiment l'objectif du jour. Et voilà. Après, sachez qu'à 20h, on se retrouvera au Commun des Mortels, bar à Saint-Bruno, dans le quartier de Saint-Bruno, qui est situé, je vous redonne l'adresse, si vous voulez venir. C'est bien entendu complètement ouvert à tout le monde, qui est situé du coup 20 rue Aimé Béret. Hein, vous pourrez boire un verre si vous voulez avec nous. Enfin, en tout cas, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment qu'on poursuive l'échange, si vous le souhaitez, pendant toute la soirée, et que ce moment-là puisse continuer par la suite, et qu'on n'arrête pas l'échange à 20h, et que justement, si vous avez des questions, ou si vous souhaitez des moments de plus de rencontres, etc., que ça soit possible. Donc je vous souhaite une très bonne conférence, et je laisse la parole aux madames. Voilà. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je tiens à remercier Louise Beltran-Lopez de convier à ce moment d'échange sur le validisme, moment suffisamment rare pour être signalé. Du coup, je vais vous parler de l'invisibilisation des artistes handicapés. Virginia Woolf affirme que, pour écrire, les femmes ont besoin d'un espace à elles. Alors, oui, bien sûr que pour créer, on a besoin d'une chambre à soi. Mais, pour moi comme pour d'autres, encore faut-il que cette pièce ne soit pas tout en haut d'un escalier, ni en bas de quelques marches. Encore faut-il pouvoir y accéder. Ou même, encore faut-il se sentir seulement légitime à franchir le seuil d'un tel endroit. Et parfois, ce n'est pas une mince affaire que de vaincre les 1000 petites voix au-dehors de soi qui nous en interdisent l'accès. Et c'est encore plus difficile de persuader les 1000 petits fantômes qui, nourris de ces voix extérieures, hantent l'espace poreux de notre intimité et nous chuchotent que nous ne sommes peut-être pas censés habiter cette chambre. Je suis une artiste. Du moins, on le dit de plus en plus à propos de moi. Noenger, artiste. Noenger, danseuse. Noenger, écrivaine. C'est ainsi que l'on me définit, et je souhaite que l'on me définisse ainsi. Et pourtant, moi-même, je n'y crois pas. Je bute encore sur ce rocher d'incrédulité qui se met toujours en travers de ma pensée lorsque j'essaie de me considérer comme telle. D'habitude, je fais comme si je ne voyais pas cette incrédulité caillouteuse, je la contourne et je passe mon chemin. Ce rocher est là et il me semble avoir toujours vécu avec cette incrédulité sur moi-même. Mais il serait peut-être temps de me pencher sur elle, de m'en saisir pour la regarder de plus près. Ce soir, devant vous, j'aimerais l'examiner, scruter ses moindres crapulures et ses plus petits sillons. À la surface de mon incrédulité, je vois d'abord ces mots. Ici, c'est un endroit où on travaille avec le corps. Ils ont été prononcés à l'issue de la première séance d'un atelier de danse afin de mettre en doute le bien fondé de ma participation. En entendant ces mots, tout en moi a crié, n'ai-je donc pas un corps, moi aussi ? Ne suis-je donc pas un corps, moi aussi ?
mais au dehors, sur le parquet ciré de la salle de danse où, pendant une heure, mon corps s'était exprimé parmi d'autres, mon silence a prévalu. Je n'ai pas crié à l'existence de mon corps, parce qu'au milieu de mes crises et de ma révolte intérieure, subsistait tout de même un doute. Et si ma danse n'était pas une danse? Et si mon corps n'était pas un corps? Et pourtant, indubitablement, mon corps existe, en sa matière, en son volume, en ses douleurs, en ses plaisirs. Alors, pourquoi ne l'a-t-on pas vu ce soir-là, sur le parquet de cette salle, parmi la danse des autres? Pourquoi a-t-on mis en doute l'évidence de sa présence? À la surface de mon incrédulité, il y a aussi ce souvenir. Le souvenir d'avoir, pendant longtemps, été fier de savoir écrire des nouvelles qui narraient l'expérience d'homme cisgenre. À 16 ans, j'ai écrit une nouvelle sur Robespierre. À 20 ans, j'ai écrit une nouvelle sur un danseur. Ce sont les deux seules nouvelles qui avaient, à mes yeux, une quelconque valeur littéraire. Le reste de mes textes adolescents, ceux où je parlais de mon expérience handicapée et de mon désir lesbien naissant, n'avaient aucune valeur littéraire. Au mieux, ils n'étaient que des témoignages, et non, de réelles pièces de littérature. Cette mésestime s'enracinait dans la croyance, inculquée par d'autres, qu'écrire de la littérature consistait à se déguiser en un personnage, en un corps, que tout le monde pouvait incarner. Il me semblait que l'activité littéraire devait produire une œuvre de fiction et que la fiction se créait toujours à partir d'un décentrement de soi vers une expérience qui touchait à l'universel. Si je voulais estimer un de mes textes, mon visage ne devait y apparaître que fardé d'un masque qui, prétendant soir à la plupart, me faisait déprécier la valeur littéraire de mon propre corps. Je ne me rendais pas compte que l'universel, tel qu'il est supposé par le plus grand nombre, avait un corps déjà bien défini et que j'étais en quête d'une littérature qui dissimulait mon corps et évinçait mon expérience de son champ. Je ne m'apercevais pas encore que l'universel, auquel j'aspirais, ne me comptait pas en son sein. Marqué du sceau du particulier, les récits à partir de mon corps ne pouvaient porter que l'empreinte du témoignage, mais jamais fonder une fiction. Mon corps est circonscrit dans des narrations singulières lorsque le corps de l'artiste crée des narrations qui dépassent toutes les expériences particulières pour les unir dans des sensations communes. Le corps de l'artiste a le visage et la posture de l'universel. Mais toujours, j'imagine le corps de l'universel sous les mêmes traits. C'est la barbe de Victor Hugo. C'est Velázquez qui se tient debout, en train de peindre le portrait des Ménines. C'est la silhouette gracieuse de Merce Cunningham ou de Pina Bausch. Je sens comme un hiatus entre mon corps et ses représentations du corps de l'artiste. Mon corps n'épousera jamais ses formes. Alors, est-il condamné à ne pouvoir faire de l'art? C'est ce que je n'espère pas. Et pourtant, c'est ce que tout, dans le monde, dans ce monde validiste, me chuchote à l'oreille. Certes, dans mon adolescence, j'ai vu le biopic de Frida Kahlo et je m'attachais vite à cette figure parce que le film montrait une femme forte, une femme artiste, qui couchait avec Joséphine Baker, et à l'époque, la jeune lesbienne en moi était à l'affût de ce genre de représentation. Mais chose étrange, alors même que le film montre l'accident, les mois de rééducation, les douleurs physiques, ce n'est que bien plus tard que j'ai compris que Frida Kahlo était une artiste handicapée. C'est en discutant avec ma très chère amie, Elena Chamorro, qui travaille sur la figure de Frida Kahlo, que je me suis rendu compte à quel point, dans l'imaginaire collectif, on avait redessiné le corps de Frida sous les traits d'un corps valide. À travers Frida Kahlo, qui est vue, avant tout, comme artiste, et non comme un corps handicapé, et encore moins comme artiste ayant un corps handicapé, j'ai pu constater que la culture des valides nous spoliait, nous personnes handicapées, de nos représentations, de nos figures tutélaires, et donc, de nos multiples potentialités. À l'inverse, dans mon enfance, j'ai souvent vu, à la télé, des corps handicapés qui faisaient de l'art. Mais il n'était jamais nommé comme artiste.
La plupart du temps, c'était un homme sans bras dessine avec ses pieds ou une femme paralysée peint avec la bouche. Presque jamais le mot « art » ne se prononçait à propos de ces corps. N'étaient montrés que des corps singuliers, mais non, leur art. Un peu comme s'il y avait une incompatibilité ontologique entre les corps handicapés et la production artistique. Un peu comme si les premiers étaient trop saillants aux yeux des spectateurs et spectatrices et dissimulaient la seconde. C'est la science de l'essentialisation, trompe l'œil qui réduit les corps à un seul aspect fantasmé et reconstruit leur destin et leur production artistique selon une seule lecture prédéfinie, souvent médicale. On parle de danse-thérapie, d'art-thérapie. Là non plus, le corps handicapé n'est pas raconté comme un corps en son entier, capable de faire de l'art, mais comme un corps malade ou blessé qui peut être soigné par l'art. Je ne remets pas en question les vertus thérapeutiques des arts. Ce qui m'interroge ici, c'est cette lecture médicale ou sensationnaliste du corps de l'artiste handicapé, cette science essentialisante et fantasmée de son handicap par rapport à son art. Enracinée dans l'œil des journalistes, des médias, des publics, cette essentialisation a contaminé mon propre regard sur mon corps et ses potentialités. Pendant longtemps, je refusais de correspondre à ces monstrations voyeuristes, car je pensais que c'était la seule représentation possible de corps handicapés qui faisait de l'art. Et je ne voulais absolument pas y correspondre. Toutes ces images me disaient qu'un corps handicapé qui créait, c'était ça, seulement ça. Et je refusais alors de n'être qu'un corps handicapé. Je ne m'autorisais pas à danser, ni à dessiner, car je ne voulais pas être une handicapée qui danse ou qui dessine avec ses pieds. Parce qu'on tronquait mon corps dans l'imaginaire collectif, je le tronquais moi-même d'une partie de ses possibilités. À la surface de mon incrédulité, il y a ce malentendu entre les imaginaires et mon corps. Inventé par des regards et des perceptions qui méconnaissaient mon corps, j'ai failli m'oublier, happé dans des images qui me dissimulaient à moi-même et me dépossédaient de mon corps. Mais peu à peu, j'ai compris que l'imaginaire avait deux versants. L'un, figé et normatif. L'autre, malléable et créatif. Si je ne pouvais habiter le premier, je pouvais au contraire m'emparer du second. J'ai compris que je pouvais réinventer mon corps, inventer mon corps d'artiste. C'est grâce à deux artistes lesbiennes, valides, que je l'ai compris. Claude Cahun et Monique Wittig. Chacune à leur manière, elles m'ont fait comprendre qu'un corps pouvait construire sa propre légitimité à se regarder et à s'inventer dans l'art. C'est leur corps lesbien que j'ai vu s'échapper des schèmes de pensée et de représentation hétérosexuelle pour construire leur propre narration. C'est leur corps qui m'a raconté une expérience lesbienne qui décuplait les possibilités dans l'exploration et la création, là où les narrations de corps proposées par le modèle hétérosexuel enferment les corps et appauvrissent leurs horizons. C'est le corps photographiquement réinventé de Claude Cahun, c'est le corps littérairement retravaillé de Monique Wittig, qui m'ont appris la fierté d'appartenir à un groupe minorisé et fait prendre conscience que cette expérience minorisée, loin de réduire les horizons et les imaginaires des individus concernés, les démultiplie, au contraire. Ces deux artistes ont insufflé la fierté en mon corps handicapé. Du fait du modèle médical, très présent en France, qui consiste à pathologiser les expériences handicapées, j'ai été habituée à me considérer comme un corps entravé qui devait être soigné et donc toujours tendre vers un mieux, c'est-à-dire prendre le corps valide comme référence implicite. Ici, le corps valide est promesse de possible décuplé. Mais, à l'instar du lesbianisme, pourquoi le handicap ne serait-il pas aussi source de divers possibles ? Je vis mon corps handicapé d'une toute autre manière que les corps valides, j'expérimente d'autres représentations de mon corps et je crée d'une autre façon. Par-delà toutes les représentations qui entourent mon corps et enserrent sa danse et son écriture dans des images médicales ou sensationnalistes, par-delà les arts produits par la culture valide, j'ai appris à être fier de mon corps.
j'ai appris qu'il pouvait être création artistique, et non pas seulement narration figée dans un imaginaire hégémonique. J'ai compris que je pouvais être actrice dans la monstration de mon corps, et non plus la subir. J'ai appris que je n'étais pas seulement une handicapée qui dansait, mais que je pouvais être aussi une danseuse handicapée, une artiste handicapée. Mais comment faire quand, dans le vaste monde, les mots « art » et « artiste » ne souffrent aucune particularité? Il m'importe d'être une artiste handicapée, mais à l'instar des artistes femmes, qui voient souvent leurs travaux dévalorisés, car marqués du sceau de leur féminité, j'hésite souvent à apparaître ainsi. Ce serait prêter le flanc à l'essentialisation qui réduirait la danse de mon corps à mon handicap, et l'écriture de mon expérience à une souffrance tragique et fantasmée. En moi, subsiste encore la crainte de l'illégitimité, et la peur du malentendu, la peur d'une vision tronquée, qui me louperait du regard. Cependant, je ne veux pas m'effacer moi-même de ma création, car, dans la visibilité de mon corps, j'aimerais croire que d'autres forgeront leur légitimité à écrire ou à danser, à créer des images qui siéront mieux à leur corps. Je souhaite que d'autres se sentent moins esseulés dans un monde validiste qui les sépare et les efface, comme je me suis sentie moins esseulée lorsque j'ai vu les danses de David Toul et de Raymond Dogg. J'ai encore mieux compris les potentialités de mon corps devant les performances du collectif Sins Invalid. Je me suis sentie encore plus légitime à danser lorsque j'ai rencontré les danseuses Magali Sabi et Claire Cunningham. Grâce à ces artistes handicapés, j'ai façonné, dans le rocher de mon incrédulité, la statue de ma légitimité. Je me suis sentie, peu à peu, autorisée à franchir le seuil d'une chambre à soi et à l'habiter. Car, pour moi, questionner l'invisibilisation des corps handicapés ne consiste pas seulement à compter le nombre de personnages handicapés dans les séries ou les films. C'est aussi mettre en question la construction d'imaginaire qui pousse une animatrice à ne pas voir mon corps ou un régisseur à répondre « de toute façon, il n'y en aura pas » quand on lui demande si le local d'un atelier de danse est accessible pour les personnes handicapées. Au monde validiste, mon corps invisibilisé demande ce qu'est un corps qui peut être montré. À l'imaginaire validiste, mon corps handicapé demande pourquoi le corps universel de l'artiste n'a qu'un seul visage. Je ne reçois pour toute réponse qu'un silence assourdissant. Mais dans ce silence, je crée mes propres réponses. Alors, à ces deux questions, mon corps peut-il être sujet d'art et mon corps peut-il faire de l'art, je me sens maintenant légitime de répondre oui. Je vous remercie de votre attention. On a juste réfléchi avec le collectif, je vais y arriver, et on voulait vous dire que du coup, si vous avez des questions après chaque présentation, on peut avoir des temps d'échange. Donc si vous avez des questions maintenant par rapport à la présentation de Noenger, voilà. Est-ce qu'il y a des questions donc, par rapport à ce qu'a développé Noenger? Qui est-ce qui veut prendre la parole? Ou est-ce que vous voulez qu'on passe à la prise de parole de Cécile? Est-ce que je vois des mains se lever? Ou crier, hein, si vous ne pouvez pas lever la main, on va s'adapter, on va essayer en tout cas, on ne va pas être trop validiste. Bon, ben, je cède la parole à Cécile. Bonsoir. Donc voilà, je voudrais aussi remercier Louise Beltran et puis la ville de Grenoble pour cette invitation.
Donc voilà, je suis Cécile Morin, donc je suis membre du CLE, donc le collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation. Et je vais faire une intervention un peu plus, bon, voilà, assez générale, pardon, excusez-moi, je suis un peu enrhumée, sur voilà, les collectifs anti-validistes que nous représentons et qui sont assez nouveaux en France. Et donc j'ai intitulé... Est-ce que vous pouvez mettre la première diapo ? Moi, je n'ai pas du tout... D'accord, ok. Pardon. Et donc voilà, j'avais fait un petit diaporama. Et donc voilà, j'ai intitulé mon intervention « Les luttes anti-validistes aujourd'hui, une nouvelle séquence ». De mobilisation politique des personnes handicapées. voilà. En fait, je pourrais partir d'un constat, celui selon lequel la domination des personnes handicapées est particulièrement forte en France et en même temps elle est aussi très naturalisée. Alors elle est particulièrement forte et ça c'est certifié par tout un tas de statistiques, hein, donc j'en ai mis quelques-unes. Voilà, un taux de chômage deux fois plus élevé, des travailleurs qui, enfin des personnes handicapées qui, lorsqu'elles travaillent, occupent des fonctions moins qualifiées, moins bien rémunérées, moins valorisées dans la société. Et puis, eh bien, la multitude d'obstacles que les personnes handicapées rencontrent en France pour accéder ne serait-ce qu'à l'école, aux études. Le dernier chiffre de la proportion d'étudiants handicapés mentionnait que seulement 1,6% des étudiants aujourd'hui étaient handicapés. Et puis, une plus forte exposition aussi à la mortalité, en dehors même des comorbidités liées au handicap. Ça, c'est par exemple ce que relève un rapport remis au gouvernement et qui montre que les personnes handicapées meurent plus jeunes, en dehors même des comorbidités liées à leur handicap, par un défaut d'accès aux soins de prévention, notamment parmi les personnes institutionnalisées. Et cela, évidemment, on l'a vu de façon tragique lors de la première vague de Covid-19 dans les régions sous tension, où des personnes placées en institutions médico-sociales se sont vues refuser l'accès au SAMU et l'accès aux soins hospitaliers en raison même de leur handicap. Peut-être qu'Odile y reviendra. Et donc, voilà, sont décédées simplement parce qu'elles étaient handicapées et placées en institution et non pas en raison de comorbidité. Et le handicap est, vous le savez peut-être, le premier motif de discrimination parmi les cas dont est saisi le défenseur des droits. Alors, ce petit tableau rapide montre que les personnes handicapées, en fait, sont une minorité socialement et politiquement dominée. Or, cette domination est très naturalisée. Et cela, on peut le remarquer, ne serait-ce que dans le langage employé à l'endroit des personnes handicapées, les expressions usuelles, couramment employées, par exemple, qui énoncent les politiques publiques en matière de handicap comme des efforts. Oui, on dit souvent « ah oui, des efforts ont été faits ». Alors que ce qui relève simplement de l'accès aux droits les plus élémentaires, sortir de chez soi, se loger, être scolarisé, être soigné, vous voyez, c'est vraiment l'accès aux droits, à l'égalité des droits, eh bien, apparaît comme une charge pour l'État à l'endroit des personnes handicapées qui nécessiterait de faire des efforts. De même, voilà, ce que j'ai appelé le grand récit du handicap, c'est en fait un grand récit qui nous a habitués
à ce que les politiques publiques soient, apparaissent en fait comme une sorte de progrès continu, voyez, hein, par lesquels eh ben, on s'acheminerait vers voilà, un mieux, hein, par une sorte de vision finaliste comme cela, et qui occulte ben, tout simplement le fait que ces soi-disant progrès, alors qui ne sont pas forcément continus, hein, il y a des périodes de régression, et on vit une période de régression, sont en fait résultent de rapports de force, hein, tout simplement. Hein, et en fait, voilà, cette espèce de vision finaliste, ce grand récit, tend à occulter le fait que les personnes handicapées eh bien, soient aussi des militants et des militantes qui luttent, hein, et qui aient eu des luttes en fait, hein, pour les droits. Hein. C'est pas parce que les personnes au gouvernement et les responsables politiques voyez, hein, seraient des gens particulièrement charitable et que voilà, il ferait progresser comme ça la législation. Non, hein, tout ça résulte en fait de rapports de force et de luttes menées par les personnes handicapées. Troisième exemple qui me semble vraiment très parlant de cette naturalisation, le fait par exemple de présenter les travailleurs et les travailleuses des ESAT, je ne sais pas si vous connaissez les ESAT, hein, donc ce sont hein, les établissements et services d'aide par le travail, comme relevant de l'action sociale. Or, en fait, hein, ces travailleurs et ces travailleuses ne sont pas justiciables des droits du travail, c'est-à-dire qu'ils et elles travaillent parfois 35 heures par semaine, mais n'ont pas droit au SMIC. Hein. Ils sont payés donc entre 55,7 et 110% du SMIC. Hein, ça, c'est leur rémunération fixe qui est complétée par des allocations. Et puis, ils n'ont pas tous les droits de défense collective des autres salariés. Pas le droit de grève, pas le droit de se pourvoir au prud'homme, pas le droit de créer une section syndicale. Ils occupent des emplois d'ouvriers spécialisés, en réalité, hein, des emplois extrêmement pénibles, répétitifs. Voilà, ce qui passerait finalement pour une privation éhontée des droits et une forme de ségrégation juridique, sociale et spatiale, parce que ces ESAT, en fait, hein, sont des établissements séparés du reste de la société, passe, s'agissant de personnes handicapées, pour de l'action sociale. C'est vraiment une sorte de... Voilà, de manœuvres rhétoriques ahurissantes quand on y réfléchit. Hein, les syndicats progressistes n'y trouvent rien à redire. Et ça me semble tout à fait révéler en fait, la naturalisation de cette domination. Alors, ce qui se passe hein, aujourd'hui, depuis quelques années en France, c'est effectivement bien, la dénonciation de tout ce que je viens de dire et peut-être une nouvelle séquence historique de mobilisation des personnes handicapées par la création en fait, hein, de collectifs comme ceux que nous représentons hein, ou par le militantisme d'activistes comme No Hunger hein, qui tiennent un discours, ben voilà, un discours d'émancipation hein, qui tranche hein, très fortement avec les discours portés habituellement par les associations gestionnaires d'établissements qui sont censés hein, représenter les personnes handicapées et qui sont voilà qui élaborent les lois sur le handicap hein, depuis en gros hein, l'après-Seconde Guerre mondiale. Alors, j'ai mis une petite chronologie hein, de la naissance de ces collectifs à partir des années 2010 hein, et ces collectifs ont une particularité, c'est que ils se proclament anti-validiste, hein, c'est-à-dire que le validisme est utilisé comme un mot d'ordre fédérateur hein, et comme un mot d'ordre politique. Alors, peut-être que la plupart d'entre vous hein, savent ce qu'on appelle le validisme ou le capacitisme. Hein, il s'agit en fait de la traduction d'un anglicisme qui a été forgé par les études critiques sur le handicap, hein, les Disability Critical Studies, qui sont en fait hein, des domaines d'études critiques nés dans les universités anglo-saxonnes hein, dans les années 1980. Alors,
Le validisme, on peut le traduire par un jugement porté sur les personnes handicapées en fonction d'un idéal à atteindre qui serait le fait d'être valide. C'est-à-dire qu'on va les juger par rapport à cet écart à la norme valide pour en faire des êtres plus malheureux, voyez, hein. Parce qu'ils ne sont pas valides, et pour en faire des êtres finalement ontologiquement amoindris, voyez, à qui il manquerait quelque chose. Et donc, comme l'a dit Noanger, le validisme, c'est évidemment une forme d'essentialisation qui consiste donc à prêter à ces personnes une nature résolument autre que celle des personnes valides, et donc à les placer en dehors de l'humanité commune. Cette essentialisation, en fait, elle est très forte, et c'est cela, en fait, qui justifie leur domination dans la société. En fait, en gros, le validisme, voilà, il se manifeste sous deux aspects particulièrement saillants, soit le fait de considérer que ces personnes sont irrémédiablement malheureuses, frappées d'un malheur, d'une fatalité biomédicale, soit, mais c'est la même facette, c'est une autre facette du même processus, pour dire que ces personnes, en fait, sont des exemples de vertu, voyez, des modèles moraux, des sources d'inspiration pour les valides. Voyez, quand on dit d'une personne handicapée qu'elle est une leçon de vie, qu'elle est une leçon de courage, voyez, ou qu'on en fait un être particulièrement extraordinaire, en fait, avec tout le sens à sonialisme dont a parlé Noanger tout à l'heure. Et donc voilà, c'est une façon d'essentialiser ces personnes, et c'est une façon aussi, en fait, de jamais les considérer comme une minorité politiquement et socialement dominée, susceptible de lutter pour ses droits à l'instar des autres minorités dominées. C'est une façon, bien sûr, de les essentialiser et de naturaliser leur domination. Ce validisme, il est très fort en France, comme l'a dit Noanger tout à l'heure, parce que ce validisme, il est issu de ce qu'on appelle le modèle médical, le modèle social, qui a prévalu pendant très longtemps officiellement, mais qui prévaut encore dans nombre de secteurs de la société, et qui consiste à rééduquer les personnes handicapées. Et c'est comme ça que des générations de personnes ayant la poliomyélite, par exemple, c'est une épidémie qui a marqué quand même des générations, ont été forcées, ont subi une rééducation extrêmement douloureuse à marche forcée. C'est comme ça aussi que pendant très longtemps, on a interdit l'enseignement de la langue des signes, parce qu'il fallait faire oraliser les personnes sourdes. Il fallait les rééduquer à l'aune de cet idéal qui était l'idéal de la personne valide. Et ce validisme, bien sûr, a des effets très importants dans la société, parce que, il infériorise, il essentialise les personnes handicapées. Et il fait passer les verdicts sociaux pour des verdicts biologiques. C'est-à-dire qu'au cœur de ce validisme, il y a l'idée de la fatalité biomédicale, vous voyez, du biologique, qui justifierait l'infériorisation des personnes handicapées. Tout à l'heure, je parlais du statut des travailleurs en ESAT. Enfin, c'est quand même hallucinant, ce statut. Je veux dire, c'est vraiment une incroyable privation, un incroyable exemple de ségrégation des personnes dans la société française. Comment est-ce que ça peut être justifié? C'est justifié par la fatalité biomédicale. C'est-à-dire qu'on considère que ces personnes, en fait, ne sont pas des travailleurs et des travailleuses qui pourraient avoir des droits, mais sont des personnes qui doivent faire l'objet d'un encadrement médical. Et donc, elles sont placées dans ces établissements médico-sociaux, voyez, comme des objets de protection, etc. Donc, le modèle médical est extrêmement fort. Et,
Et voilà, et en fait aboutit hein, à dépolitiser la question du handicap, à l'énoncer toujours hein, dans le registre, alors soit moral et compassionnel, et ça on le voit par exemple dans le domaine politique, soit hein, ben voilà, à faire jouer en fait hein, l'argument biologique et l'argument médical pour justifier hein, notamment le placement des personnes. Des personnes en institution. Alors, le problème aussi de ces ressorts validistes, hein, c'est que lorsque les personnes handicapées n'ont pas de discours à leur disposition, n'ont pas de ressources qui leur permettent de déconstruire et de dénaturaliser cette domination, en fait, elles finissent par l'intérioriser. Bon, c'est un phénomène extrêmement connu, mais jusqu'à ces dernières années, en France, à moins qu'on ait eu accès à la traduction hein, des textes issus des Disability Studies, il n'existait pas de moyen en fait de s'émanciper en fait de ces représentations validistes qui s'exercent avec une grande constance et une grande circularité. Vous voyez, c'est pas seulement les discours de la publicité, c'est pas seulement les discours politiques, mais c'est aussi l'organisation de l'espace public, c'est aussi les expressions toutes faites qu'on va entendre à la boulangerie, qu'on va entendre de la part voilà, des gens, parce qu'il y a un très fort impensé derrière. Et donc, quand on n'a pas accès à des discours alternatifs, vous voyez, hein, qui explique que ben non, les personnes handicapées ne sont pas vouées à être infériorisées, que ça n'a rien de naturel, hein, que cette domination elle est historiquement et socialement construite, on a toutes les chances de devenir à soi-même son pire ennemi, c'est-à-dire d'intérioriser ses représentations. Voilà. Et c'est pour cela que les collectifs que nous représentons, eh bien, nous faisons hein, ce travail de dénaturalisation, hein, de production aussi de ressources par le biais voilà, hein, de textes, de blogs, de podcasts, etc., hein, notamment en direction des jeunes générations, hein, pour ben, voilà, mettre à leur disposition les ressources qui souvent nous ont manqué, je parle pour les gens de ma génération un petit peu ancienne déjà, mais nous n'avions pas grand-chose à notre disposition. Voilà. Et donc, c'est aussi en fait un processus qui permet de visibiliser aussi comment est-ce que les différentes formes de domination interagissent entre elles. Hein. Voilà, dans une approche hein, intersectionnelle. Hein, par exemple, ça nous permet de montrer comment le déterminisme social vraiment est décuple hein, les inégalités liées au handicap. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien, par exemple, dans l'accès à la scolarisation en milieu ordinaire, hein, ce qui est montré dans ce petit graphique. Alors, on ne le voit pas vraiment en détail, mais ce petit graphique hein, montre que plus le milieu de la famille des élèves est favorisé, hein, eh bien, hein, moins hein, les enfants handicapés sont scolarisés dans les institutions, tout simplement parce qu'il faut un certain capital social et culturel pour se débrouiller avec toutes les entraves administratives, voyez, hein, et pour permettre à ces enfants d'éviter l'institution, hein, qui est vraiment le synonyme hein, de mort sociale, en fait. Hein. Voilà. Et donc, cette lutte hein, cette lutte hein, contre le validisme permet de fédérer des personnes au-delà de la diversité des handicaps, hein, en montrant que finalement, ce qui nous réunit, bon, par exemple, ce qui nous réunit au CLE, nous sommes tous des militants et des militantes concernées directement par le handicap, nous avons des handicaps tout à fait différents. Ce qui nous réunit, ce n'est pas le hasard biologique, c'est une condition sociale. C'est une condition en fait, de domination et d'assignation hein, sociale. Hein. Voilà. Donc là, ça, c'est quelque chose de très important parce que historiquement en France, les luttes handicapées, elles se sont souvent structurées par type de handicap, dans une logique un peu sectorielle hein, et parfois en opposition. Voyez,
Alors, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, dans les travaux d'un sociologue, hein, du sociologue qui est Jérôme Bas, qui vient de soutenir sa thèse et qui montre que, par exemple, pendant longtemps, les associations de malades de la polio se sont organisées pour éviter l'hospice en se distinguant des personnes avec des handicaps mentaux, psychiques. Vous voyez, bon. Alors là, nous, notre perspective, c'est vraiment de dire que quel que soit notre handicap, voilà, nous subissons une série d'obstacles et une domination sociale. C'est du coup quelque chose, enfin, cette lutte contre le validisme, ça offre un horizon profondément émancipateur. Je pense que voilà, tous et toutes, quand nous avons rencontré ces textes, quand nous avons pu avoir l'occasion de militer en ce sens, ça a été... en tout cas, moi, je l'ai vécu comme une grande émancipation. Hein, parce que, comme je vous le disais, quand j'étais jeune, il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait pas de ressources, quoi. Et aussi, c'est une émancipation parce que c'est un peu une sorte de sortie de solitude, de condition. Hein, on se sent un peu seul au monde. Et en fait, on se rend compte que les personnes handicapées subissent cette même domination. Et du coup, l'horizon, ça n'est plus de guérir. Vous voyez, comme dans le modèle médical, ça n'est plus d'être valorisé pour ses qualités de courage, d'abnégation, de devenir un modèle. Mais en fait, l'horizon, c'est de renverser les rapports de force. Ce que nous voulons, en ce sens, ce n'est pas changer le regard sur le handicap, c'est changer les rapports de force qui organisent notre domination et notre dépendance. Cette domination, cette dépendance, elles n'ont rien de naturel. Elles sont en fait organisées par un champ du handicap qui est structuré, vous voyez, des associations gestionnaires d'établissements qui ont le monopole des discours publics sur le handicap, c'est-à-dire qui peuvent s'arroger le droit de dire ce qui est bon pour les personnes handicapées, produisent les discours publics sur le handicap, qui produisent les lois depuis les années 1950 en gros, et qui contrôle un secteur médico-social structuré autour de l'institution. Et donc, voilà, c'est vraiment aussi à cela que nous voulons nous attaquer. Nous ne sommes pas les seuls à tenir ce discours. Ce discours, il n'est pas le fruit de quelques collectifs de dangereux radicaux que nous sommes. En fait, ce discours, ce que nous disons, ce n'est rien moins que le droit international. C'est-à-dire que la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées dit cela, qu'il n'y a pas de bonnes institutions, que la ségrégation des personnes handicapées via le placement en institution doit cesser. Parce qu'il y a un droit fondamental, qui est le droit à la vie autonome, donc Odile en parlera, et la France a ratifié cette convention de l'ONU. Il y a eu récemment, en septembre, un rapport de l'ONU sur la France, qui a sommé donc la France de fermer les institutions et qui a remis en cause le rôle de représentativité des associations gestionnaires. Parce que l'une des traductions aussi du validisme, c'est le fait que les personnes handicapées en fait, sont représentées par d'autres qu'elles-mêmes, voyez, qui parlent pour elles, dans une logique parfaitement paternaliste, infantilisante, mais qui passe en fait. Très souvent, on voit des personnes valides qui parlent pour les personnes handicapées. D'accord ? Oui, c'est ça, voilà. Fussent-elles adultes Enfin, je ne sais pas, moi, si mes parents, vieilles comme je suis, parlaient pour moi en voulant me représenter, je trouverais ça parfaitement scandaleux. Et pourtant, ça passe s'agissant des personnes handicapées. Et donc, voilà, ces associations gestionnaires aussi sont remises en cause dans leur rôle de représentativité des personnes handicapées. Du coup, j'avais fait... Juste pour finir... je voulais simplement mentionner le fait que les luttes que nous menons, les luttes donc contre le validisme et les luttes aussi contre
hein, qui remettent en cause, hein, le pouvoir, hein, des associations gestionnaires d'établissements comme l'APF, une API, la LADAPT, etc., s'inscrivent en fait dans un héritage. Hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est peu connu en France, que moi-même, bon, enfin, moi, j'ai fait des études d'histoire, mais j'ai lu beaucoup d'histoire sociale et je l'ai découvert très tard parce que c'est très peu dans les livres d'histoire, mais il y a eu des luttes handicapées en France, hein, notamment, et il y en a eu beaucoup, notamment dans les années 70, hein, après mai 68, période lors de laquelle il y a eu des étudiants et puis des jeunes gens qui ont refusé le placement en établissement. Il faut bien voir que le placement en établissement, c'était le destin social, hein, de toutes les personnes handicapées. Bon, jusqu'à une date récente. Hein. Moi aussi, si vous voulez, c'était mon destin social, hein, à l'époque où je suis née. Hein. Les lois de 75, hein, assignaient les personnes handicapées au placement en institution. Bon. Mais avant la loi de 75, hein, qui a renforcé les institutions, toutes les personnes handicapées, quel que soit leur handicap, étaient placées. Et c'est ce placement, ce destin social qu'ont refusé un certain nombre de jeunes gens, hein, donc évidemment dans le contexte de ces années 68, de ces luttes d'émancipation féministe, de ce renouveau du mouvement ouvrier avec les luttes des ouvriers immigrés, des femmes aussi, des ouvrières, etc. Ce qui reste, peut-être que ce dont vous avez entendu, c'est, excusez-moi, ce dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le journal Handicapé Méchant, parce que l'un, hein, de ces groupes, hein, le CLH, le Comité de lutte des handicapés, publie un journal Handicapé Méchant, hein, pour retourner justement, hein, ce stigmate du gentil handicapé et dénoncer déjà les ancêtres des ESAT, les CAT, hein, vus comme des usines-prisons, des ghettos d'handicapés. Et donc, ils ont fait déjà avant nous tout un travail de mobilisation politique, pour dénaturaliser cette domination, pour montrer que la fatalité biomédicale, c'était un prétexte, non, pour organiser la dépendance et la domination de ces personnes. Et ce qui est un peu ennuyeux, c'est que cette histoire et cette mémoire, jusqu'à une période très récente, n'avaient pas été transmises en France, si bien que la plupart d'entre nous l'ont connue très récemment, à l'âge adulte, et nous n'avons pas pu profiter en fait, de tout ce travail fait avant nous pour en reprendre l'héritage. Vous voyez, ça, c'est vraiment une question, par exemple, qui s'est posée très tôt pour les mouvements féministes en France, par exemple. Comment est-ce qu'on pouvait conserver les archives, transmettre la mémoire pour ne pas repartir à chaque génération de zéro? Alors aujourd'hui, il y a heureusement des historiens qui commencent à travailler et puis des historiens qui commencent à introduire cela dans les livres d'histoire, mais ça, c'est quelque chose qui me semble fondamental, hein, c'est-à-dire transmettre un héritage. J'avais juste fini sur une petite diapo sur une ouverture, hein, sur le présent. En disant qu'évidemment notre combat n'est vraiment pas gagné, hein, c'est vraiment un peu le combat de David contre Goliath. Nous sommes de très petits collectifs et nous essayons de lutter contre des associations gestionnaires qui font du lobbying, qui ont des moyens juridiques, des moyens humains, qui représentent des enjeux financiers très importants. Mais je pense que là où nous avançons, c'est que nous commençons à acclimater la notion de validisme dans l'espace public. Hein, nous commençons à diffuser quand même ce discours. Et puis, bien sûr, en cette période où des jeunes générations questionnent l'imposition des normes, hein, les normes de genre en particulier, hein, découvre le queer, etc. Il est inévitable que la jeune génération de personnes handicapées questionne, hein, l'imposition de normes valido-centrées. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je voudrais
savent pas, mais je travaille depuis bientôt 5 ans dans une association qui s'appelle Aide et Partage. Et un jour, j'ai téléphoné à mon frère en lui disant « ça y est, je travaille, donc je me sens faire partie de la société. » « Ah oui, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Eh bien, je vais apprendre aux stagiaires à manipuler l'élève personne et l'élève malade, et je vais leur apprendre à faire des toilettes et tout ça. » Mais il m'a dit, toi, t'es trop handicapé, si tu vas faire de la manutention, c'est trop risqué pour toi, tu vas tomber. Mais non, je suis pas tout seul, je suis avec une collègue handicapée, et je sais expliquer comment mettre le filet aux gens et comment me mettre dans le fauteuil. Je suis pas idiot pour pas expliquer les choses. Et il était un peu en colère parce que je travaillais, quoi. Il avait pas en colère, mais il avait peur pour moi. Et c'est aussi dans la famille qu'on doit apprendre aux gens que nous, on peut être autonome et qu'on cesse de nous regarder comme une chose fragile. Voilà. Oui, je peux qu'accréditer, enfin, je pense que ce que vous venez de dire, c'est sûr. On rencontre ces comportements validistes tout le temps, en fait, dans nos expériences. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques ? Bonjour, je travaille, mais le sujet m'intéresse beaucoup. Notamment, juste une info sur Grenoble. Enfin, je participe en tant que réalisateur à un groupe de projets qui fait des films documentaires sur le handicap depuis de nombreuses années. Laetitia avait participé à un des films il y a quelques années. Et on en a fait un sur l'histoire des luttes pour les droits des personnes handicapées, donc qui existe sur la plateforme du Fil Rouge. Donc pour ceux qui l'ignorent, en tout cas, il y a beaucoup de témoignages sur l'Isère de nos anciens qui ont lutté, avec toutes les contradictions que vous avez évoquées très brillamment. Et juste pour faire une petite provocation, je pense que si vous continuez comme ça, on va vous traiter de communautariste. Ouais, en fait, donc merci, c'est une info précieuse parce que je ne connaissais pas du tout, donc je vais regarder. L'accusation de communautarisme tend à confondre en fait les expériences minoritaires avec le communautarisme. Comme je l'ai dit, si on se regroupe en tant que personne concernée, et quel que soit notre handicap, c'est pas parce que on veut faire du communautarisme, c'est parce qu'on partage les expériences dominées, des expériences minoritaires dominées. Et des expériences de domination sociale. Et ça me paraît vraiment très important. Et aussi parce qu'il y a un enjeu pour l'autoreprésentation. Hein, comme on l'a dit, l'une des caractéristiques du validisme, c'est d'être représenté par d'autres, des personnes non concernées, en fait. Ou alors qu'il y a un partage, un peu comme ce que disait Nwanga. Souvent, il y a un partage de la parole. C'est-à-dire, les personnes handicapées, elles sont assignées au témoignage. C'est-à-dire, elles peuvent témoigner que quelque chose qui est individuel, circonstancié. Tandis que la parole injonctive de portée universelle, voyez, hein, qui dit ce qu'il faut faire, en fait, hein, est portée par des personnes valides. Alors ça, vous voyez, ce schéma entre un témoignage et puis une parole théorique, qui touche à l'universel, un petit peu comme dans l'art, voyez, c'est les personnes non concernées qui vont vous dire ce qu'il faut faire, hein, et puis nous, on va faire du témoignage individuel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on refuse maintenant. mais moi, j'ai bien compris que c'était une provocation, mais c'est souvent un truc qu'on nous objecte, comme
dans toutes les luttes de minorités dominées. C'est le contraire du communautarisme, on ne veut pas rester entre nous. S'unir pour avoir notre place dans la société. Et le communautarisme, c'est le contraire. Alors, j'ai compris la fin, et je suis désolée, je suis un peu sourde, j'ai pas bien compris le début, je sais pas si quelqu'un peut peut-être... En fait, ça a résonné. Oui. Du coup, Emmanuel disait que, à l'inverse du communautarisme, qui est un entre-soi où les gens restent juste entre pairs, l'idée c'est de s'unir pour pouvoir s'intégrer à la société, donc c'est une démarche qu'il a plutôt vers la société, plutôt que se renfermer sur soi. Oui, bien sûr, voilà notre démarche. Ça appartient à la lutte politique, donc évidemment, hein, ce n'est pas de rester évidemment entre soi, mais c'est de reprendre la parole sur nous-mêmes. C'est bon ? Vous m'entendez ? C'est bon. Okay. Alors, bonsoir à tous. Je suis Laetitia Rebord. Je suis traductrice, père aidante en santé sexuelle et coach vers l'empowerment des personnes en situation de handicap. Mais ce soir, surtout, je suis là en tant que militante au sein du collectif anti-féministe et anti-validiste Les Dévalideuses. Donc, ce soir, je vais vous le présenter et parler aussi un petit peu de mon vécu et pourquoi je l'ai intégré. Donc ce collectif, pour vous retracer un petit peu l'histoire, en fin 2018, il y a eu un mouvement, une manifestation, nous toutes, manifestation féministe, et plusieurs femmes handicapées se sont aperçues que dans les luttes féministes, les femmes handicapées étaient souvent invisibilisées. Et du coup, il y a eu un bouillonnement d'esprit. Une soixantaine de personnes ont eu plein d'idées, ça s'est mis en place. Et puis finalement, 8 personnes ont créé le collectif fin 2019. Voilà. Ensuite, comme vous le savez, une pandémie nous est tombée dessus. Donc ça a été un peu compliqué. Mais nous existons toujours. Nous avons réussi, au contraire, à grandir nos rangs, et moi j'ai intégré donc le collectif en juillet 2020. Alors notre collectif, il s'appuie sur 3 piliers, donc l'anti-validisme. Alors je ne vais pas répéter ce qu'est le validisme, Cécile l'a parfaitement fait. Il faut savoir vraiment que ce terme, cette notion, enfin, est encore très méconnue en France, contrairement à de nombreux pays anglo-saxons. Donc, nous voulons vraiment faire connaître, nous voulons vraiment commencer à ce que les gens, quand on leur dit ce que c'est le validisme, eh ben, comme le sexisme, comme le racisme, eh ben, les gens comprennent ce que c'est. Et ça, il y a encore du chemin, notamment aussi au sein de la communauté des personnes en situation de handicap. C'est encore vraiment, le validisme est encore parfois mal compris. Donc voilà, c'est aussi
Donc évidemment, ça fait partie de nos piliers. Ensuite, le féminisme. Je pense qu'il est inutile de rappeler qu'en 2021, il est encore nécessaire d'être féministe. Et nous pensons qu'il est important de croiser le féminisme avec le validisme. Parce que naturellement, les personnes handicapées, comme les femmes, sont considérées comme inférieures aux hommes, aux personnes valides. Donc c'est pourquoi notre collectif se situe donc entre les luttes contre le sexisme et le validisme. Notre troisième pilier, c'est l'intersectionnalité, parce que nous sommes très proches de lutte contre le racisme, l'homophobie, la transphobie, la putophobie et toutes les autres discriminations qui sont liées au genre, à la sexualité, à l'origine ethnique, au milieu social, entre autres. Il y en a plein d'autres. Donc, nous avons choisi de resserrer nos rangs. Nous n'avons plus envie que l'on parle à notre place. Et dans les membres actifs, nous n'acceptons ni personnes valides, ni hommes cisgenres. C'est un choix que nous assumons, car on pense que c'est comme ça qu'on va avancer sur les vraies questions de validisme et de féminisme. Alors, quelles sont nos missions? Nous souhaitons d'abord contribuer à diffuser, donc, comme je l'ai déjà dit, le terme validisme auprès du grand public par des conférences, des ateliers, des campagnes et par la participation à des mouvements nationaux. Nous souhaitons aussi communiquer sur toutes les problématiques qui sont propres aux personnes handicapées, notamment aux femmes handicapées, comme l'infériorisation, l'infantilisation, le contrôle des corps, les discriminations et les violences sexuelles et sexistes. Nous souhaitons aussi soutenir et aider à la diffusion des ressources sur les disability studies. Nous souhaitons contribuer au développement et participer à des événements militants. C'est actuellement ce que l'on fait. Alors, évidemment, avec le Covid, ça a été plus compliqué, mais nous avons réussi à faire de nombreux événements en ligne. On continue, il faut savoir qu'actuellement, on est une vingtaine de membres actifs, plus ou moins actifs parce qu'on a aussi des handicaps qui ne nous permettent pas d'être toujours disponibles et opérationnels. Et nous sommes basés donc dans toute la France, sachant que le siège est à Nancy, là où il y a la présidente. Que dire encore? Oui, je vais vous parler de moi. Moi, en fait, le féminisme, ça fait déjà plusieurs années que je m'y intéresse. Et c'est le féminisme qui m'a conduit vers le validisme. Et je pense que... quand je me suis rendu compte, ça a été comme un réveil, en fait. Un réveil plutôt brutal. Quand on se rend compte qu'on a baigné dans un validisme depuis sa naissance, qu'on a soi-même un validisme intériorisé très puissant et que l'on en vient à s'excuser parfois d'exister devant tout le monde, c'est vrai que l'émancipation, c'est bien, mais ça peut être aussi un prix à payer. De se rendre compte de tout ça, que ma propre famille aussi, par exemple, n'a jamais cru que je pouvais avoir une vie affective et sexuelle et qu'elle, du coup, m'a certainement pas aidée non plus à trouver le chemin vers cette vie affective et sexuelle. Il y a plein d'autres choses. Enfin, je veux dire, c'est vraiment au moment où je me suis rendu compte de tout ça que j'ai dit, non, mais là, c'est pas possible, il va falloir que tu fasses quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai intégré l'idée valideuse. Voilà, donc, il y a des flyers à votre disposition sur la table des boissons, parce qu'on sait que ça marche bien là-bas, donc on les a mis là-bas. On a encore besoin d'alliés, d'adhérents.
Et là, on accepte tout le monde. C'est vraiment uniquement pour les membres actifs que nous avons souhaité être en non-mixité. Voilà, donc si vous êtes intéressés, rejoignez-nous, contribuez aussi à faire évoluer cette voie, parce qu'on en a besoin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, Sébastien. Excusez-moi de reprendre la parole, mais par rapport à tout ce que vous avez dit, je me retrouve dans votre parcours de toutes les trois, parce qu'il se trouve que moi, avant que je sois dans un appartement, que je vive avec ma femme, j'étais dans une institution, et dans une institution qui est très connue, dont je ne dirai pas le nom, mais et j'ai eu beaucoup de mal à m'émanciper parce qu'il faisait tout à ma place et il décidait à ma place et j'ai dû taper du poing sur la table pour m'émanciper dans ma tête et dans mon corps. Et par rapport à ma femme aussi, quand j'ai rencontré ma femme dans les institutions, c'était un peu difficile par rapport à la jalousie des autres camarades qui n'étaient pas en couple. Et par rapport à la valeur affective et sexuelle, c'était vraiment très difficile, mais on est ensemble depuis 92 et on n'a jamais lâché. Voilà, on s'est battu et ma femme dit toujours à ceux qui veulent faire à sa place, parce qu'elle a beaucoup de mal dans sa montrée. Dans sa maîtrisité pour parler et pour se déplacer, elle m'a dit, quand on veut, on peut. Voilà. Merci Sébastien. C'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres... est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole ? N'hésitez surtout pas. Hein. Ou si vous avez du mal à vous exprimer tout seul, peut-être vous pouvez demander à quelqu'un de prendre la parole pour vous, si c'est votre souhait, bien sûr. Bon. Ben écoutez, je vais peut-être passer à mon intervention en espérant que ça suscitera des vocations et des prises de parole. Surtout, n'hésitez pas après. Donc, je me présente, je m'appelle Odile Morin. Je suis la présidente et la fondatrice de l'association Handisocial qui a été créée en 2001. C'est une association que j'ai créée à l'époque où, pendant 10 ans, j'ai dû mener un combat personnel jusqu'au Conseil d'État pour accéder à mes droits, que ce soit la AAH, que ce soit la troisième catégorie d'invalidité, que ce soit la CTP ou la PCH. J'ai gagné au bout de 10 ans. Donc l'association a commencé par faire de l'accompagnement pour l'accès aux droits individuels. On est parti souvent de situations très critiques hein, pour des familles et pour des personnes. Ça allait de familles qui portaient leurs enfants pour qu'ils puissent aller jusqu'à la fac. Pendant 14 ans, une famille qui restait dans un immeuble inaccessible et ça dérangeait personne. C'était les gens qui perdaient la hache ou qui n'arrivaient pas à l'obtenir parce que le guide barème était méconnu des médecins des MDPH, qui est encore le cas. C'était la question des logements inaccessibles, c'était la question de l'accompagnement au quotidien avec la CTP, avec la PCH. Et il s'agissait dès le départ d'une association qui était uniquement militante et qui n'a jamais eu de salariés et qui ne proposait aucune activité de service ou de loisirs. Puis petit à petit, parce que essentiellement, j'ai eu le sentiment à un moment donné d'écoper la mère à la petite cuillère. C'est-à-dire, en fait, en réglant des problèmes individuels, de ne
pas faire avancer finalement l'ensemble des droits. Et donc on est passé à ce moment-là à de l'activisme au travers d'opérations coup de poing. On s'est beaucoup plus intéressé à la question de la conception du handicap et c'est à ce moment-là que moi j'ai découvert les écrits Duclé notamment, avec le manifeste Duclé et cette dénonciation du validisme qui était une notion totalement nouvelle pour moi. J'avais été confronté au handicap étant plus jeune, puisque ma maman est décédée d'un Parkinson alors qu'elle avait 50 ans. Et donc moi, toute jeune adulte, je l'ai vue mourir dans des conditions inadmissibles, mais surtout vivre les dernières années de sa vie dans des conditions de ségrégation et de privation de liberté qui m'ont beaucoup marqué. Et donc on a, je pense, avec Handi Social, participé à la popularisation de ces concepts. Depuis très longtemps aussi, on représente l'association dans diverses instances. Ça va de la CDAPH, c'est-à-dire la Commission des droits et de l'autonomie, la commission qui, au sein des MDPH, est chargée d'accorder les droits, au CDCA, hein, qui est le Conseil départemental consultatif de l'autonomie, qui rassemble finalement les représentants des personnes âgées et handicapées. J'ai aussi été nommé au CESER. Alors le CESER, c'est le Conseil économique, social, environnemental, régional, où là, justement, on ne parle pas de politique handicap, on est chargé d'évaluer les politiques régionales. Et donc, dans cette instance, j'essaye de faire que, dans les politiques régionales, les politiques de prise en compte des personnes différentes existent enfin. Et puis, nous avons... participons aussi à des commissions d'accessibilité sur les transports. Je participe personnellement aux conférences intercommunales du logement sur Toulouse, où je suis basé, que ce soit les conférences de la métropole ou d'Issy-Coval, des intercommunalités, où je travaille beaucoup sur les politiques du logement. Voilà. Alors, aujourd'hui, puisque nous avons mené des actions de désobéissance civile, je vais revenir dessus un petit peu plus tard, nous sommes régulièrement poursuivis, comme l'étaient nos pères par le passé. Hein. Pour autant, nous restons fermes, déterminés et convaincus que les politiques sociales n'évolueront pas sans notre implication et qu'être acteur de nos vies et des politiques qui nous concernent, ce n'est pas une option. Et comme nous avons coutume de dire, nous ne quémanderons pas cette place, nous l'imposons. Alors nos motivations, nous considérons que l'implication et la politisation des personnes concernées est primordiale pour que les politiques publiques qui les concernent changent dans leur intérêt. Il s'agit de prendre la parole qui nous a qui est toujours confisqué par d'autres, ce qu'ont évoqué Cécile, Laetitia et Nohanger, d'autres qui ont d'autres intérêts que les nôtres. Je parle des professionnels, je parle aussi des parents, je parle des femmes et des hommes politiques. Et pour cela, je pense que nous devons apprendre nos droits, les revendiquer, intellectualiser effectivement la question du handicap et orienter les projecteurs sur notre problématique en menant des actions visant à la médiatisation. Alors aujourd'hui, l'approche du handicap, elle s'est théoriquement transformée avec la PPH, qui est le processus de production du handicap. Hein, c'est un, si je ne me trompe pas, un Québécois, Fougueroulas, qui a mis ça en place. Il y a eu la révision aussi de ce qu'on appelait la classification internationale du handicap, qui est devenue la classification internationale du fonctionnement. Ça, c'est en 2001 avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et puis, il y a eu surtout la rédaction de la Convention des Nations unies, Convention des droits des personnes handicapées, qui a été adoptée en 2006, qui est entrée en vigueur en 2008 et qui a été ratifiée par la France en 2010, ainsi que son protocole facultatif. Ça reste de la théorie. Après, ce qui a abouti, ce qui n'a pas abouti plus précisément, c'est en France, hein, comme dans d'autres pays, il y a le problème de l'application de cette convention. Et la rapporteure spéciale de l'ONU, après une visite et l'évaluation de la France en 2017, puis dans le rapport qu'elle a publié début 2019, elle a utilisé trois termes très forts, mais qui caractérisent bien l'application de la Convention ONU et quelle politique est menée en France. Et ces trois termes, c'est ségrégation, privation de liberté et non-respect des droits humains. Et c'est à l'égard des personnes handicapées. Elle s'inquiète encore que nous soyons considérés comme des objets de soins et non pas comme des sujets de droit. Ce sont des mots qui nous ont permis
de montrer qu'il ne s'agissait pas de critiques qui émanaient de petits groupuscules français, de personnes isolées, mais que l'ONU elle-même reconnaît qu'effectivement il y a une vraie problématique en France. Et le combat est donc loin d'être terminé. Nous le voyons chaque jour dans notre association et au travers de ce que nous vivons et des situations de vie de nos militants et de nos adhérents. Et de l'évolution de la politique. Et l'évolution de la politique, ça a plutôt été des reculs qu'on a encaissés ces dernières années. Je pense notamment à l'ordonnance accessibilité, à la loi Elan, à la hache, avec l'histoire de la déconjugalisation, dont Kevin pourra peut-être nous parler, la question du projet d'un revenu universel d'activité, les restrictions du droit à compensation, de fait, les défauts et les retards de mise en accessibilité de l'ensemble de la chaîne de déplacement. Alors, la transformation de l'accompagnement et des politiques sociales, nous militons avec nos associations et toutes les associations qui sont présentes ici pour le mouvement pour la vie autonome, pour la désinstitutionnalisation. Il s'agit concrètement de fermer tous les établissements médico-sociaux spécialisés. Pourquoi ? Parce que ce sont des ghettos et que d'autres solutions sont possibles dans tous les cas. Le vase clos ne doit plus l'être. Simplement, effectivement, en France, on a habitué les Français à penser qu'il n'y avait pas d'alternative à ces situations-là, ou alors pour certaines catégories de personnes handicapées très évoluées par rapport aux autres, et que forcément, quand il y avait un handicap mental, forcément, il n'y avait pas de solution, et ce n'est pas vrai. Il y a des expériences, des politiques dans d'autres pays qui montrent que c'est possible. Alors nous militons pour la création de services communautaires multiples et non pour un service en charge de tout l'accompagnement, même en conditions de vie ordinaire. Il faut mettre en place des moyens pour la vie autonome, c'est-à-dire un accompagnement social, des aides à la prise de décision, ce qui est un palliatif à la tutelle qui elle, restreint les droits individuels, et puis des budgets pour l'assistance personnelle, mais à la hauteur des besoins. D'autres pays ont fermé les institutions et les personnes ont retrouvé leur liberté tout en ayant un accompagnement adéquat. Alors, bien sûr, tout n'est pas parfait. Mais qu'en est-il des conditions ici en France ? Il faut voir d'ailleurs par exemple l'Italie au niveau de l'école, qui a fermé les établissements spécialisés. Tous les enfants sont dans l'école publique normale. Vous avez aussi la Suède, avec les exemples de la coopérative JAG pour les personnes polyhandicapées, qui montrent que des personnes qui ont, je rappelle, le polyhandicap, c'est un handicap à la fois mental et un handicap physique, il y a des solutions qui existent et qui ne sont pas privatrices de droits et ségrégatives. Alors, le rappel historique, Cécile l'a fait. Je voudrais juste citer un petit peu ce qui s'est passé à l'étranger et qui, pour nous, a été une source d'inspiration en handi social. C'est le mouvement qui est parti des États-Unis et notamment du Royaume-Uni. Ça a commencé par des étudiants handicapés qui se plaignaient de l'exclusion dont ils faisaient l'objet eux-mêmes et qui ont mené des actions contestataires. Il y a eu notamment Mike Oliver, ce dernier qui déclarait qu'il ne pouvait se souvenir que de 5 autres personnes handicapées sur le campus pendant ses études de premier cycle à partir de 1972. Et Mike Oliver, j'en parle parce que c'est lui qui a théorisé le modèle social du handicap et qui a posé la première pierre de ce qu'on appelle les disability studies, c'est-à-dire les centres d'études spécifiques qui sont semblables aux ethnic studies, women's studies, gender studies, qui sont basés sur le principe que la lutte pour les droits civils des minorités doit être menée à la fois sur les fronts intellectuels, académiques, politiques et liés à l'organisation de la vie ordinaire. Il y a eu la création du mouvement international Independent Living. C'est des militants qui obtiennent des sièges à l'ONU et dans des instances européennes. Dès lors, il y a eu des tensions qui sont encore très présentes aujourd'hui et qu'on va s'attacher à faire grandir, je pense, qui sont nées entre les mouvements d'intégration des personnes handicapées, de leurs proches, de leurs parents, et les mouvements de spécialisation, c'est-à-dire les professionnels, mais aussi les parents, avec le développement du mouvement international pour la vie autonome organisée, donc IL, Independent Living, au niveau européen, European Network for Independent Living, ENIL, en France notamment l'ACHA, Coordination Handicap Autonomie, et auquel participent Handi Social et les autres associations présentes ici. Je vais revenir un peu aussi sur la question de la définition du handicap, parce qu'on en trouve de différentes sortes. Alors, vous avez la définition du handicap qui est donnée par la loi du 11 février 2005, loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et qui définit le handicap de la manière suivante. Je vais vous le lire textuellement. « Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie par une personne dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive,
d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Alors ici, il est important de souligner le terme « en raison de ». C'est-à-dire que cette définition intègre le fait que les limitations ou les restrictions sont subies par la personne du fait ou en tout cas à cause de leurs incapacités qui sont définies ici comme des altérations de fonction. Alors qu'il y a une autre définition que nous, on préfère, c'est celle de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Convention de l'ONU, et qui donne la définition suivante. Par personne handicapée, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Et donc ça montre davantage qu'il y a une responsabilité collective, que ce n'est pas le fait de l'aspect médical, de la situation médicale de la personne qui est problématique, mais bien l'environnement et les barrières qui sont mises dans la vie quotidienne des personnes. Et en ce qui concerne cette convention ONU, il est établi que l'ensemble des pays qui l'ont ratifiée, dont la France, doivent la respecter. On va se rendre compte assez vite que ce n'est absolument pas le cas. L'ONU prend davantage en compte dans sa définition la notion d'interaction des déficiences avec les différentes barrières au sein de l'environnement. Et cette définition, qui est fondée sur le modèle social du handicap et sur l'approche des droits de l'homme, elle constitue une référence internationale commune. Elle intègre aussi la notion sur la base de l'égalité avec les autres, qui est un élément important. Alors, je vais vous faire un petit historique très rapide de l'aspect des différentes lois qu'il y a eu en France. Sur la question de la compensation des handicaps, une des premières lois, ça a été la loi il y a eu deux lois, le 30 juin 1975, une loi d'orientation en faveur des personnes handicapées et une relative aux institutions sociales et médico-sociales. Et cette loi, elle réglemente les conditions de création, de financement, de formation et de statut des personnels, des établissements et services du secteur. C'est une loi qui a donc été très critiquée, comme l'a montré Cécile, par les handicapés méchants et d'autres, parce qu'en fait, ça officialisait l'institutionnalisation. Alors certes, dans un contexte où les familles étaient abandonnées à domicile et où effectivement, ça pouvait paraître un progrès à l'époque d'ouvrir ces institutions, mais d'abord, on n'est plus il y a 45 ans ou 50 ans, les choses ont évolué, et surtout, ce n'était pas une bonne réponse à une vraie problématique. Il y a eu la loi de 2002-2 du 2 janvier 2002, qui a rénové l'action sociale et médico-sociale, et qui définit et structure l'action sociale et médico-sociale, qui est destinée, en théorie, à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes. C'est d'ailleurs assez marrant de parler à la fois d'autonomie et de protection des personnes, ce qui est un peu contradictoire, et qui parle de cohésion sociale, d'exercice de la citoyenneté. Malgré tout, derrière ce texte se dégage quand même une volonté d'individualisation maximale des actions menées auprès des bénéficiaires, mais toujours dans un cadre institutionnel. Et puis, il y a eu la loi du 11 février 2005, celle qui est souvent la plus connue dans le milieu du handicap. Et donc, cette loi, elle consacre le principe de compensation du handicap. Elle est très intéressante sur le plan de ce que dit la loi. Mais la problématique qu'on a en France, et c'est valable dans d'autres champs que celui du handicap, c'est qu'on a souvent des lois qui peuvent paraître très généreuses, mais leur déclinaison concrète, qui passe par ce qu'on appelle des décrets d'application, a tendance très souvent à restreindre la portée des lois. Et ça, c'est un vrai problème qu'on a. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où on décline des intentions, mais on veille surtout à ne pas les mettre en acte. Et donc, en théorie, la loi du 11 février 2005 a consacrer la compensation du handicap et elle a amélioré, mais alors par contre uniquement à la marge, les lois et les règlements sur l'accessibilité. Les seuls progrès qu'il y a eu en matière d'accessibilité, c'est d'officialiser la douche sans seuil et l'accès au balcon, terrasse et loggia. Sinon, tout le corpus réglementaire existait depuis 1975, simplement n'a jamais été mis en œuvre. Et malheureusement, le nouveau corpus réglementaire n'a pas été davantage mis en œuvre, pas plus que je vais vous le montrer, les dernières lois qui sont sorties et qui sont un pur scandale. Sur l'accessibilité, justement, donc la première loi fondatrice, c'est la loi de 1975, où il y avait déjà des textes qui, d'ailleurs, étaient beaucoup plus lisibles, beaucoup plus applicables que ce qu'a fait la loi de 2005. Mais malheureusement, il n'y a jamais eu d'intention de l'appliquer, cette loi, ni de volonté, ni de moyens pour la mettre en application, ni de sanctions. Donc, il y a eu la loi de 2005. La loi de 2005, qui, je le rappelle, avait fixé une obligation de résultat
sur le neuf, donc une obligation immédiate sur le neuf. Et pour l'ancien, il y avait 10 ans de données pour mettre en accessibilité. Malheureusement, et c'était prévisible compte tenu du cadre, cette loi de 2005 n'a jamais été appliquée. C'était encore une bonne intention, mais qu'on se gardait bien de décliner. Et puis, il y a eu ce que j'appelle l'ordonnance scélérate du 26 septembre 2014, donc relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation, de la voirie, qui a été ratifiée par le 5 août 2015. Il y a eu un autre recul encore, c'est l'article 64 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qu'on a appelé la loi Elan. Et donc, je vais vous parler maintenant du rapport ONU. Parce que donc, j'ai évoqué à plusieurs reprises cette convention de l'ONU, Convention des droits des personnes handicapées. Ce sont 50 articles qui balayent un petit peu tous les domaines de la vie et des politiques publiques. Alors, sur cette convention ONU, il faut savoir qu'il y a un suivi qui est mis en place par l'ONU pour s'assurer de son application. Donc, il y avait eu, comme je vous l'ai dit, en 2017, une première visite de la rapporteure en France, un rapport qui est sorti en 2019, qui était quand même déjà au vitriol sur la politique française. Et il y a eu cet été, de nouveau, ce qu'ils ont appelé précisément l'examen du premier rapport périodique de la France par le Comité des droits des personnes handicapées. Et donc, l'association Handisocial, avec deux autres associations, donc l'Alliance Autiste et Clé Autiste, qui font partie, je dirais, de notre intercollectif informel. Nous avons donc produit des rapports alternatifs auprès de ce comité. Donc on a participé à différentes réunions qui se sont déroulées essentiellement en visioconférence. Et puis il y avait d'autres associations qui participaient, notamment le CFHE, Conseil français Conseil français du handicap pour les questions européennes, si je ne me trompe pas, qui représente essentiellement des associations et des organisations gestionnaires et des associations de parents. Mais, bizarrement ou pas bizarrement, cette organisation prétendait parler au nom des personnes handicapées. En fait, et je vais prendre un parallèle qui devrait vous éclairer, c'est comme si le MEDEF prétendait représenter les ouvriers ou comme si les matons prétendaient représenter les détenus. Mais pour les personnes handicapées, ça fait partie des choses qui sont encore considérées comme normales et qui sont un des vrais scandales de ce qui se passe en France. Alors, pour vous donner un petit peu, vous tenter de vous résumer le rapport qu'a produit Handisocial, parce qu'il est assez long, mais vous pouvez le retrouver sur Internet, je vais vous lire un petit peu la déclaration que j'ai faite devant le Comité des droits de l'ONU. À la question, donc je vous lis ce que j'ai lu à l'époque, enfin cet été, à la question « Comment la France met en place la Convention ONU ?» il est, vous en doutez, difficile de répondre en 3 minutes, tellement le champ des injustices que nous vivons reste vaste. C'est pourquoi je vous invite vraiment à lire notre rapport entier en consultant tous les liens des notes de bas de page. Ce rapport ayant été réalisé en complémentarité avec la coordination handicap autonomique, les autistes et l'Alliance autiste. Et c'est la première fois que l'activiste autiste, en fauteuil roulant électrique que je suis, est amené à s'exprimer devant votre comité onusien. Alors bien que j'ai du respect pour vous et vos fonctions, je vais exprimer pleinement les manquements de mon pays. En effet, j'accuse. D'abord avec l'ordonnance accessibilité de 2014, qui a mis fin à la continuité de la chaîne de déplacement en matière de transport, qui a réduit aussi les normes d'accessibilité, en donnant des délais jusqu'à 9 ans, alors que la loi nous promet des résultats depuis 45 ans et que ces délais ne seront pas tenus. Puis en 2018, avec la loi Elan, qui a divisé par 5 la production de logements accessibles, alors que nous en manquons cruellement, en nous proposant à la place de l'habitat dit inclusif, qui transforme donc ce projet en mini-institution, pour se donner bonne conscience, très certainement. Par la baisse des financements des aides techniques et humaines et les restes à charge, les personnes handicapées qui n'ont pas de famille pour les aider ni de fortune personnelle ne bénéficient que de droits assurant à peine leur survie, mais en aucun cas leur dignité. Elles sont dépendantes de services à domicile qui n'ont que très peu de formation et surtout de moyens, et pas toujours la compréhension des besoins spécifiques des personnes. Certaines associations gestionnaires ont accepté de négocier un pourcentage de logements accessibles à construire,
alors que l'intérêt des personnes en situation de handicap, c'est de pouvoir choisir son logement et non de se voir obligé d'aller vivre dans des habitats non choisis. Un des graves dysfonctionnements qui doit être dénoncé, c'est l'article 1er de la loi du 11 février 2005, qui est contraire à l'article 4.3 de la Convention. Malgré la Convention ONU, malgré l'observation générale numéro 7, les organisations gestionnaires qui offrent des services et participent à la gestion des établissements et services parlent à la place des personnes directement concernées en France. L'article 1er de la loi parle de présence simultanée, mais ne définit pas la part que représente chacun des types d'organisations. Il y a donc une inversion de la représentativité avec des organisations de la société civile qui offrent des prestations et qui sont majoritaires. Il n'est plus possible de laisser le gouvernement français choisir lui-même qui représente les personnes handicapées. C'est pourquoi nous demandons et nous proposons que les organisations d'autoreprésentation bénéficient des moyens matériels et humains qui leur permettraient de s'immiscer dans le dialogue que l'État réserve aux organisations prestataires de services. Tout ceci a un impact majeur sur toute la politique menée en France. Nous appelons donc la France à distinguer, d'une part, les associations représentatives des personnes directement concernées et, d'autre part, celles des parents et des proches de personnes handicapées et en les différenciant clairement des associations gestionnaires. Nous proposons, sur le modèle de la représentation des familles en France ou des organisations syndicales, que ce soit les personnes handicapées qui élisent leurs représentants, que les parents et les proches élisent aussi leurs représentants, avec une majorité donnée aux personnes directement concernées. En fait, chacun est légitime à parler, mais chacun doit parler de sa place et non au nom des autres. Avec une illustration par ma situation personnelle, du grand écart qu'il y a entre les déclarations des gouvernements français depuis près de 15 ans et les actes réels. En tant que nouvel élu de la République, alors je précise, je suis élu municipal d'opposition à Toulouse, je dois consacrer 80% de mes indemnités d'élu pour payer des assistants, mais la prise en charge de cet aménagement raisonnable m'est refusée. Il m'a fallu 10 ans de combat et toutes les connaissances acquises en droit du handicap français pour obtenir l'aménagement d'un véhicule qui m'a permis de retrouver une activité et de l'autonomie. Cela m'a permis de ne plus être dépendante des services de transport maltraitants qui obligent à réserver le moindre transport 10 à 15 jours à l'avance pour le refuser ou le modifier la veille sans tenir aucun compte des engagements pris. Ceci n'est pas possible pour tous et au vu du combat à mener et de plus, la loi ne le permet plus puisqu'elle a été modifiée pour limiter les dépenses en fonction des budgets disponibles, toujours avec la complicité d'organisations gestionnaires. Pour s'opposer aussi au recul des droits occasionnés par l'ordonnance accessibilité puis par la loi Elan, et après avoir utilisé tous les moyens institutionnels d'expression et de participation pendant près de 20 ans, 16 militants d'handisocial, dont une majorité en situation de handicap, ont dû mener des actions de désobéissance civile non violente pour dénoncer les mesures discriminatoires subies par les personnes handicapées. Nous avons été sévèrement réprimés au terme d'un procès inéquitable, au cours duquel l'accessibilité et les moyens de compensation ont fait défaut aux accusés. C'est allé de l'absence d'interprète pour une personne avec des difficultés d'élocution, de documents illisibles par une aveugle, non-respect des mesures sanitaires, absence de sonorisation préjudiciable aux personnes avec difficultés auditives, non-respect des règles de sécurité, impossibilité d'aller aux toilettes. Le tribunal n'avait rien prévu, malgré les alertes, alors que le même tribunal ne respecte pas lui-même les lois sur l'accessibilité. Il y a aussi eu les situations de violence que j'ai personnellement subies. 5 fractures du pied pour avoir manifesté pacifiquement et qui ont été dénoncées par Amnesty International. Nous accusons donc, et nos accusations sont étayées, argumentées, documentées. Elles viennent du terrain, sont le fruit de nos morts, de nos amis déprimés, de tous ceux qui, après l'espoir de la loi de 2005, se désespèrent. En effet, nous ne sommes pas juste des activistes pratiquant la désobéissance civile non violente, mais nous cherchons à dénoncer par nos actions, par ce rapport, les graves reculs subis en matière d'accessibilité. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il faut considérer comme travailleur toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, comme par exemple les travailleurs des ESAT français qui sont considérés comme des usagers du médico-social alors qu'ils travaillent réellement, n'ont aucun droit syndical, aucun droit de grève et qu'ils subissent des pressions pour être rentables, qu'ils sont sous-payés. Voilà. Donc c'est ce que je disais. Est-ce que j'ai le temps de détailler un petit peu les différents points soulevés par le rapport du 14 septembre 2021 du Comité des droits de l'ONU qui l'a produit comme observation finale? Ah, je vais trop vite pour les... Oui, ça c'est... Oui, d'accord. Alors je vais essayer de,
de vous traduire un peu ce rapport, qui est un rapport au vitriol, hein, même si c'est dit en termes diplomatiques. En gros, il fait 20 pages, ce rapport. Il y a une demi-page qui rappelle quelques aspects positifs et 19 pages de critiques. Ça vous donne un peu l'ordre d'idée. Il faut savoir aussi que donc, la France, le gouvernement français et différentes agences ont produit effectivement des réponses aux questions de l'ONU sur la manière dont la politique française tentait de s'adapter et de se conformer à la Convention. Il faut savoir que le défenseur des droits y a participé en sa qualité de mécanisme de contrôle indépendant. On peut quand même s'interroger quand on voit des responsables d'organisations gestionnaires qui aujourd'hui sont chez le défenseur des droits sur la manière dont ils peuvent mettre en place la désinstitutionnalisation, par exemple. Et puis surtout, et là nous sommes particulièrement indignés sur cette question, il y a la question de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est chargée, en qualité d'institution nationale des droits de l'homme, d'émettre des avis. Le problème, c'est que, et ça a été quelque chose d'extrêmement violent à l'occasion de ce rapport de l'ONU, nous avons découvert que la CNCDH, donc cette commission, a laissé une association qui gère des lieux de privation de liberté contraires aux droits de l'homme, je cite l'APF, parler en notre nom. Donc nous avons dénoncé ce scandale et pour l'instant les autorités françaises se taisent, imaginant peut-être que nous allons les oublier. Je pense qu'elles peuvent, elles vont vite être déçues. Alors, les différents points qu'aborde le rapport de l'ONU, sur les points positifs, le fait d'avoir donné le droit de vote à toutes les personnes handicapées, même si on peut quand même dire que dans la réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Vous allez rigoler quand même. L'interdiction d'échappement corporel dans le code civil, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre il n'y a pas longtemps pour qu'on supprime cette... comment est-ce qu'on a pu continuer à autoriser l'échappement corporel ? Et considérer comme positif aussi la collecte des données d'accessibilité et de transport. En même temps, moi j'appelle ça, c'est comment vous passez de vos droits, quoi. Sachez quels sont les endroits où vous n'avez pas le droit d'aller. Voilà. C'est sûr que c'est un progrès. Avant, on ne savait même pas. On savait que c'était partout, en fait. Mais bon. Il y a la question des sanctions sur les obligations d'accessibilité numérique. Mais ce que ne sait pas l'ONU, c'est que ce n'est pas parce que la France décrète des sanctions qu'elle les applique. Mais bon. Il y a la question des dispositions du Code du travail qui exigent des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées et qui reconnaissent le refus d'aménagement raisonnable comme une forme de discrimination fondée sur le handicap. Et après, on va passer à la longue liste des critiques et recommandations. Et je vous assure, je ne vais faire que résumer parce que sinon, ce serait trop long. Il y a la question de l'interprétation de l'expression consentement, notamment pour le handicap psychiatrique. C'est-à-dire que on considère que vous enfermez et vous droguez, vous attachez, ça peut se faire avec votre consentement. Bon, moi, je n'avais pas remarqué que ceux qui vivaient ça avaient le sentiment qu'on est consenti à quelque chose avec eux, mais bon. Il y a les questions de l'absence d'harmonisation des législations et des politiques nationales, régionales, municipales, relatives au handicap, qui ne sont toujours pas adaptées à la Convention. Et les politiques publiques qui sont toujours fondées sur le modèle médical et les approches paternalistes, y compris la définition de la définition du handicap dans la loi de 2005, qui met quand même avant tout l'accent sur l'incapacité des personnes handicapées et leur normalisation. Le traitement médical des personnes souffrant de handicaps psychosociaux, les personnes autistes, le modèle de soins médico-sociaux pour les personnes handicapées qui soutient l'institutionnalisation systématique des personnes sur la base de leur handicap. Il y a aussi la question de l'application directe des droits garantis par la Convention par les tribunaux français et l'absence de stratégie nationale de politique publique pour mettre en œuvre les obligations de l'État parti au titre de la Convention. Alors après, le comité s'est inquiété de points que j'avais soulevés justement sur la question de la représentation. Et il dit que les dispositions de la loi de 2005 et du Code de l'action sociale et des familles confondent les associations de prestataires de services et de gestionnaires avec des organisations de personnes handicapées, ce qui entraîne des conflits d'intérêts dans la prestation de services et des obstacles au passage effectif des soins médicaux institutionnels à la vie autonome dans la communauté. Il s'inquiète aussi de la participation limitée des personnes handicapées par l'intermédiaire de leurs organisations représentatives
aux consultations sur la législation et les politiques publiques, y compris celles menées par le CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, et pareil dans les commissions municipales et intercommunales sur l'accessibilité, où on retrouve essentiellement des organisations gestionnaires parlant en notre nom et à notre place. Le comité a rappelé aussi qu'il demandait la révision de cet article 1er de la loi de 2005 et d'assurer un soutien et des consultations significatifs et efficaces avec la diversité des organisations de personnes handicapées, en prêtant attention aux organisations de personnes ayant une déficience intellectuelle, aux personnes ayant des handicaps psychosociaux, aux personnes autistes, aux femmes handicapées, aux personnes LGBTI handicapées, aux personnes vivant dans les zones rurales, aux personnes roms handicapées et à celles nécessitant des niveaux élevés de soutien. Ça rejoint la petite digression, la question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire que les différentes discriminations que nous vivons, elles se cumulent. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose d'être une personne handicapée, homme, blanc, mâle, d'un milieu favorisé, que d'être une femme lesbienne, noire, handicapée. Effectivement, les conséquences ne sont pas les mêmes. L'ONU regrette aussi que le refus d'aménagement raisonnable ne soit pas reconnu comme une forme de discrimination fondée sur le handicap dans tous les domaines de la vie, puisque ce n'est reconnu que dans le domaine du travail et de l'emploi. C'est pas reconnu dans l'éducation, concernant les examens non plus. Regrette aussi le manque de données et d'indicateurs sur les femmes et les filles handicapées. Regrette les pratiques qui obligent les enfants malentendants et sourds handicapés à se faire équiper d'un plan cochléaire et plus généralement l'absence d'écoute et de consultation des enfants. Questionne aussi la participation et la visibilité des personnes handicapées. Il dénonce bien sûr les dernières lois sur l'accessibilité et les retards depuis 47 ans. Il s'inquiète aussi du droit à la vie à cause des nombreux suicides de personnes autistes ou de personnes avec des handicaps psy. Et puis dernièrement, les personnes mortes dans des établissements à qui on a refusé l'accès en réanimation sous le seul prétexte de leur handicap. Bon, et tout ça, ça rappelle l'urgence de la désinstitutionnalisation. Il y a aussi l'absence d'aménagement pour les réfugiés, les demandeurs d'asile, les Roms. L'absence de mécanisme de prise de décision assistée qui soit compatible avec la Convention et regrette les mesures qui perpétuent la prise de décision de substitution et qui ne reconnaissent pas la volonté et les préférences des personnes handicapées, c'est-à-dire les mesures de tutelle, de curatelle, de sauvegarde de justice qui sont contraires à la Convention ONU. L'ONU dénonce aussi les conditions d'accès à la justice, les inégalités d'accès et les traitements forcés. Il conteste la Convention d'Oviedo et s'oppose à son adoption par la France. L'ONU demande aussi des mécanismes efficaces pour prévenir toutes les formes de mauvais traitements, y compris un suivi indépendant et un contrôle judiciaire, ainsi que l'introduction de normes fondées sur les droits de l'homme dans la législation sur la santé mentale, parce qu'ils s'inquiètent là aussi des privations de liberté des personnes présentant des handicapés psychiques. Le comité observe aussi avec préoccupation les règlements, les structures, les budgets qui favorisent le placement des enfants et des adultes handicapés dans des milieux ségrégés, y compris les institutions médico-sociales et les services spécialisés, y compris dans les établissements de soins résidentiels de petite taille, ce qu'on appelle aujourd'hui l'habitat inclusif ou l'habitat partagé, qui ont un impact particulier sur les personnes nécessitant des niveaux de soutien plus élevés. Ils s'inquiètent aussi de la disponibilité d'un soutien pour vivre de manière autonome et dans la communauté, tel qu'un soutien personnalisé et dirigé par l'utilisateur, pour permettre aux personnes handicapées d'exercer un choix et un contrôle sur leur vie et de prendre des décisions concernant où et avec qui vivre. Adopter des mesures pour assurer l'accès des personnes handicapées à un logement abordable et accessible sur la base du choix individuel et en dehors de tout type de lieu collectif. S'inquiète aussi de la question des transports, de l'accès à des aides à la mobilité qui puissent être encore accessibles financièrement, ce qui est de plus en plus compliqué. Il plaide aussi pour la question de la LSF, le droit aussi à une scolarité complète avec la SF, ce qui n'existe à ma connaissance qu'à Toulouse, où on peut, je crois que c'est une des seules villes où on peut faire un cursus de la maternelle jusqu'à la fin du lycée en LSF. C'est scandaleux qu'on ne puisse pas le faire ailleurs. Après, sur la question des ressources, alors bien entendu, il met en cause les montants insuffisants de l'AAH, des pensions d'invalidité, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de la question de l'application inégale sur l'ensemble du territoire
et puis surtout le fait que ça ne couvre pas toutes les dépenses demandées. Et ça fera plaisir à mon camarade ici présent, la question de la déconjugalisation de l'AAH, qui est une revendication ancienne, qui est une revendication qui relève vraiment des droits de l'homme. Il n'est pas admissible qu'on continue à prendre en compte les revenus du conjoint et qu'on assigne à la pauvreté finalement les deux membres du couple. Bon, il regrette aussi le manque d'informations et de services de soutien précoce et complet pour les enfants handicapés, notamment pour ceux qui ont une déficience intellectuelle ou psychosociale. Il est préoccupé aussi par le taux élevé d'enfants handicapés dans les établissements d'enseignement ségrégés, y compris dans les institutions médico-sociales résidentielles ou dans les classes séparées spéciales des écoles ordinaires, ce qui continue à perpétuer la stigmatisation et l'exclusion. Conteste aussi le refus des enfants ayant des déficiences intellectuelles, psychosociales ou autistes à l'école et le manque de soutien individualisé, le manque d'aménagement raisonnable. Bon, sur l'éducation à la LSF, ça aussi, et puis la question de la promotion de la culture sourde, parce qu'il y a une culture sourde et c'est important de la défendre. Il demande aussi qu'on assure l'apprentissage, l'enseignement et l'utilisation efficace du braille et de la lecture facile pour les personnes aveugles et malvoyantes et pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Il y a aussi la question de l'accès aux soins, à la santé, à la prévention et la question de l'accessibilité des établissements, mais aussi du matériel et de la communication en matière de santé. L'ONU dénonce le niveau élevé de chômage et de ségrégation des personnes handicapées, tant dans les emplois, dans les ateliers protégés, que la question des emplois à bas salaire, qui concerne essentiellement ces populations-là. Il recommande d'aller vers l'éradication des ateliers protégés et d'adopter une politique et des repères limités dans le temps pour garantir que les personnes handicapées ont accès au travail et à l'emploi sur le marché du travail ouvert et à leur inclusion significative dans les environnements de travail, dans les secteurs privés et publics. Il regrette aussi la question de l'âge. Hein. C'est-à-dire qu'à partir de 60 ans, vous n'êtes plus handicapé, vous êtes vieux. Mais on peut être vieux handicapé. Surtout qu'on n'est pas vieux à 60 ans, puisque j'en approche. Après, il y a la question du plafonnement, du montant de l'âge, tout ça, ça je l'ai déjà dit. Les risques accrus de sans-abrisme pour les personnes qui ont quitté les établissements et pour les personnes souffrant de handicaps psychosociaux, exposées à des programmes obligatoires de traitement psychiatrique. Voilà, sur la question du logement, hein, concevoir et mettre en œuvre des programmes visant à établir des logements accessibles. Voilà, et renforcer des programmes de soutien fondés sur les droits de l'homme pour toutes les personnes handicapées, afin de couvrir les dépenses liées au handicap et d'accéder à un niveau de vie adéquat. Il y a la question de l'accès à la citoyenneté, l'accessibilité des procédures, des installations et du matériel de vote, mais aussi des campagnes électorales, et puis aussi, comme je l'ai soulevé en ce qui me concerne, le droit pour les personnes handicapées de devenir des élus et pour cela de bénéficier de tous les aménagements raisonnables. Voilà, il demande aussi l'application du traité de Marrakech qui vise à faciliter l'accès aux œuvres publiées pour les aveugles et déficients visuels et pour les personnes qui ont d'autres déficiences par rapport à la presse écrite. Et dernier point que je vais aborder, c'est les actions de désobéissance civile et les procès qu'ont subi les militants d'Handisocial. En fait, les actions de désobéissance civile, elles ont commencé en 2014, à l'époque où j'étais élu à l'APF. Voilà, j'ai fait l'erreur de croire à certaines promesses qui se sont révélées ne pas être des réalités. Et donc, à l'époque où je croyais encore que l'APF était prête à se battre, j'avais initié des actions de péage gratuit, opération péage gratuit. Donc, c'est vrai que ça avait un peu surpris le public de nous voir arriver avec nos fauteuils et nos cannes sur les péages. Mais ça marchait bien. Et puis, on a aussi occupé pas mal de bâtiments publics. Et j'ai essayé d'entraîner les autres régions. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que l'APF, au plan national, sabotait les mobilisations et qu'elle avait même accepté le principe du passage par voie d'ordonnance qui empêchait tout débat parlementaire sur sur l'ordonnance accessibilité. Et donc, quand j'ai eu quitté l'APF, j'ai repris des actions de désobéissance contre la loi Elan en 2018. Nous avons repris avec mes camarades des opérations péage gratuit.
nous avons tenté de mener des opérations pour attirer l'attention des médias. Notamment, il y a eu le blocage du convoi des pièces de l'Airbus A380. C'est des pièces énormes. On les a stoppées en pleine nuit. Les paysans et les syndicalistes n'avaient pas réussi à les stopper plus d'une 12 heures. Nous, on les a retardés 24 heures quand même. Ça a coûté 350 000 euros à Airbus. On a montré qu'on pouvait être productif finalement. On a continué par des blocages de cimenterie et on a bloqué une partie de Toulouse avec juste quelques fauteuils. On a aussi bloqué un TGV, ce qui nous a permis d'obtenir des travaux de mise en accessibilité de la gare de Toulouse. Et on avait fait le routier, on avait fait le ferroviaire, donc il nous manquait l'aérien. Nous avons donc fait l'aérien en bloquant les pistes de l'aéroport de Toulouse. Bon, bien sûr, après avoir averti les renseignements généraux pour faire stopper le trafic aérien, on n'avait pas envie qu'ils nous atterrissent dessus quand même. Et bien, il nous manque le portuaire maintenant. Donc, avis aux personnes intéressées, si vous êtes près de la mer ou d'un port, c'est pour ça qu'on n'a pas fait le portuaire. C'est parce qu'à Toulouse, effectivement, c'était un peu compliqué. Je ne vous explique pas nos problèmes de déplacement. Voilà. Bon, tout ça a donné lieu à des poursuites. Au départ, ils nous laissaient faire. Ils ne savaient pas trop comment s'y prendre. Taper sur la gueule des handicapés, ça faisait quand même un peu désordre. Donc, mais ne vous inquiétez pas, ils se sont rattrapés après. Ils se sont rattrapés notamment sur moi en 2019, puisque j'ai participé à la mobilisation des Gilets jaunes et que, à l'occasion de manifestations au cours desquelles j'ai toujours été non-violente, pacifique et tout ce qu'on veut, j'ai fini par me faire démonter, 5 fractures du pied, une trentaine d'hématomes sur tout le corps. Mais bizarrement, c'est quand même moi qui ai été condamné par la justice pour avoir violenté de pauvres petits policiers sans défense. Devinez avec quoi ? Avec mon arme favorite, celle que j'ai toujours avec moi, à portée de main, mon fauteuil roulant. Ça a fait rire toute la France, mais pourtant, il y a des magistrats qui ont trouvé le moyen de me condamner à une peine de prison avec sursis. Bon, peine dont j'ai fait appel, mais j'ai été condamné encore. J'en suis à 5 condamnations là maintenant, puisque j'ai aussi été condamné, puisque j'avais été interdite de manifestation et que j'ai manifesté. Donc j'ai été condamné de nouveau. Donc voilà, j'ai découvert les joies de la confrontation avec la justice à 50 et quelques années. Ça manquait à mon expérience, il faut bien le dire. Donc on a, pour revenir à mes camarades et moi-même, été poursuivis d'abord par le préfet, qui nous a infligé des amendes de 750 euros chacun. Je me permets de rappeler que le montant de l'AH est à peine supérieur, mais ça ne l'a pas dérangé. Et ça, c'était pour atteinte à la sécurité. Je crois qu'il est intéressant de mettre sur le même plan quelle condamnation a eu Airbus, parce qu'en fait, on est rentré par une entrée d'Airbus à l'aéroport. Airbus a été condamné à 7 500 euros d'amende. Je vous laisse imaginer la distorsion qu'il y a entre les moyens d'Airbus, sa condamnation, nos moyens et notre condamnation. Je crois que ça parle d'elle-même. Et puis, en mars 2019, là, ils ont décidé de lancer des poursuites pénales en entrant en compte. Nous étions 16 militants. Nous étions menacés chacun de 18 000 euros d'amende et de 5 ans de prison. Le procès a tardé à se dérouler à cause de la Covid. Nous avons finalement été jugés le 23 mars 2021 avec un délibéré qui a eu lieu le 21 mai, au cours duquel on a... moi, j'ai pris 6 mois avec sursis, qui se sont ajoutés un petit peu à tout le reste. Un autre de mes camarades, 4 mois, et les autres, 2 mois avec sursis. Et puis, il y a des condamnations pécuniaires par la SNCF, et on nous a promis un procès suivant pour les dommages aux autres parties civiles. Et je crois que ce qui est important, c'est de parler des conditions de notre procès, parce que je crois que ça illustre bien la nécessité que l'on a d'agir. Je vais vous lire ce que j'avais écrit à l'époque. « Quand l'État et la justice se déshonorent, le procès de la honte, où l'État coupable de non-respect des lois sur l'accessibilité fait condamner à des peines de prison avec sursis des militants qui n'ont fait que dénoncer le non-respect des lois et la Convention des droits des personnes handicapées par la France. Ces tentatives d'intimidation démontrent malheureusement d'une manière éclatante la légitimité de notre combat. Pour autant, malgré la lourdeur des peines, malgré la disproportion manifeste entre les entraves que nous avons provoquées pendant une petite heure à 2 reprises et celles que nous vivons ainsi que nos pères de manière permanente, dans une relative indifférence coupable, nous n'avons pas l'intention de nous laisser pousser au silence. Bien entendu, les 16 condamnés font appel des condamnations, ce qui les suspend.
Et pour résumer les conditions de notre procès, tout a commencé par l'impossibilité d'accéder en autonomie en fauteuil roulant au tribunal à cause d'un mont de charge, de surcroît branlant et sale, dans un tribunal incapable de mettre à disposition, conformément au texte en vigueur, le registre public d'accessibilité et l'arrêté d'approbation de l'ADAP, agenda d'accessibilité programmée. Ensuite, nous avons reçu les convocations que 12 jours avant la tenue de l'audience. Pour produire des témoins, il faut le faire 10 jours avant. Donc on nous a mis dans une situation où matériellement, on ne pouvait pas fournir ni témoignages ni éléments. On a bien vu aussi que le tribunal n'avait rien fait pour nous permettre d'avoir un procès équitable et qu'aucun moyen de compensation n'avait été prévu ni mis en place afin que nous puissions nous exprimer individuellement devant la justice. Micro non fonctionnel, rendant l'écoute des débats difficiles, voire impossibles, pour des personnes présentant des troubles auditifs. Absence d'interprète pour l'un d'entre nous, alors même que la justice était au courant depuis 2 ans de ces problèmes d'écolocution. Aucune compensation pour une autre qui est très malvoyante. Aucune assistance pour nombre d'entre nous pour accéder aux sanitaires, ce qui a obligé certains à porter des couches et une autre qui s'est réunie dessus pendant l'audience. Et nous sommes en colère aussi pour les risques sanitaires liés à la Covid auxquels nous avons été exposés durant cette audience, dans la mesure où la jauge était de 28 personnes maximum dans la salle, avec des règles de distanciation sociale et d'évacuation qui n'étaient pas respectées. On était 45 en début d'audience et 35 à la fin de l'audience, durant 8 heures, soit en violation avec les règles nationales et celles fixées par le tribunal président de la juridiction lui-même, alors même que plusieurs d'entre nous présentaient des comorbidités, ce qui a été rappelé au tribunal à plusieurs reprises. Nous sommes aussi indignés de l'inflexibilité et de l'inhumanité du tribunal qui a refusé de suspendre l'audience à 20 heures avant les plaidoiries qui allaient terminer à 22 heures, malgré les 5 demandes explicites de nos avocats, ce qui nous a empêchés de regagner nos domiciles en temps et en heure afin de bénéficier des transports spécialisés nécessaires qui avait été annulé après 20 heures et pour pouvoir bénéficier de l'auxiliaire de vie, pour pouvoir manger, se laver, se coucher. La majorité des avocats des parties civiles ont d'ailleurs évoqué leur malaise quant aux conditions du procès et l'un d'eux a même exprimé publiquement sa honte. Cette atteinte manifeste à nos droits fondamentaux nous a placés dans une position telle qu'il a fallu occuper le tribunal de Toulouse afin d'obtenir, par pur rapport de force, encore une fois, une solution de secours très imparfaite, puisque c'est encore les militants les plus valides qui ont dû assister certains d'entre nous pour manger, se laver et se coucher. Nos avocats ont proposé au président du tribunal de contacter Tisséo pour réquisitionner des mobibus, ce qui a effectivement été réalisé, afin d'éviter un nouveau scandale, mais sans faire disparaître que nos camarades se retrouvent quotidiennement confrontés à des besoins de déplacement urgents et qui ne bénéficient pas des mêmes réponses, et ceci dans l'indifférence absolue. Je m'excuse de mon manque de capacité de synthèse, mais voilà, je vous invite à réagir et à nous poser des questions. Et voilà, c'est à vous.